Bonjour, internautatrices et internautateurs, ici Gaëlden pour les Jeux du Cygne. J'essaie de vous enregistrer un petit épisode entre deux épisodes de maladie. Je suis pas en super grande forme, mais j'ai quand même des trucs à faire, donc des trucs à faire. Bref. L'épisode précédent, on avait quand même récupéré Krista, qui est venue s'inviter chez nous, et c'est drôlement chouette. Et puis là, on est en attente de notre premier bot de construction, de bot de combat. Après avoir fait un bot moissonneur, on avait construit nouveaux bâtiments en dur qui hébergent notre salle à manger, notre poste de recherche. Donc, c'est plutôt cool. Établi en bois, on a deux établis. Ouais. Là, tout ce qui est textile, donc on va dans cet épisode on va peut-être essayer de remplacer ça également par du dur, essayer de se faire un deuxième bâtiment. Alors source tachyonique, j'ai trouvé les vestiges d'un ancien vaisseau d'origine inconnue. Un terminal dysfonctionnel émet des radiations tachyoniques. Je n'ai pas pu interagir avec lui, mais je vois des inscriptions en langue extraterrestre. Enregistrez ce que vous pouvez et rentrez. Et on va débloquer donc une nouvelle recherche qui s'appelle langue antique. J'ai tellement de recherches à faire. Tourelle mobile, langue antique, 5 jours max. Il nous permettrait de... La possibilité de lire la langue extraterrestre antique et de détecter d'autres sources tachyoniques. Ok. Qu'est-ce que j'ai ? Je recherche pistolet laser et armure synthétique. Sachant que le pistolet laser, ça me permettait de débloquer... Je sais plus quoi, les drones de combat. C'est ça. C'est ça. Donc Katina va revenir de ça, de son expédition, et donc on va essayer de déplacer tout ça de façon à libérer un peu de place. Tiens, ça là, chute de débris de vaisseau, c'est tombé où? Ouais, pas tout près. Donc, on va déplacer un certain nombre de choses. Les fléchettes, on va les déplacer par ici. Hop. Ça, je pourrais m'en débarrasser. Oui, parce que ça, clairement, ça n'a rien à faire ici. Ça aurait bien plus sa place. Hop, copier là. Et là, c'est quoi? C'est minerai et boîte de conserve. Qu'est-ce que ça fait là? Je ne sais pas. Les minerais, ça se stocke pas ici, tiens. C'est où les minerais? Ah ouais, non, peut-être pas, en effet. Ceci dit, je vais quand même me démolir celui-ci. Tac. Il va le mettre ailleurs. Parce que là, je peux mettre quoi? Oui, là, j'ai les mêmes paramètres. Hop. Toi, je vais te déplacer par là. Allez, on passe en vitesse 3. Je pourrais me faire un autre labo avancé. Également. Parce que j'ai un certain nombre de recherches qui ne peuvent pas être faites sur le labo en bois, je crois. Même avoir deux labos avancés, ça le ferait. Largement de quoi
Faire ceci, ouais, avec tous les bots que je défais. Là, ceci dit, je vais arrêter de m'embêter avec un groupe électrogène, je vais faire une deuxième. Ça, je vais le réparer et je vais copier ça là. Parce qu'en fait, ça, les trucs électrogènes, j'en ai plus besoin pour pardon, c'est l'essence. Le carburant, j'en ai plus besoin pour la nacelle ou pour la montgolfière. Que à dépenser là-dedans, franchement. Ouais, c'est beaucoup mieux. Ça ensuite, on va le démolir. Ça, on va le déplacer par ici. Ça, on va le démolir également. J'ai pas besoin d'en avoir deux. Ah, sauf que là, si jamais j'ai pas assez de d'électricité. Ouf. Moi, je ferai autre chose. Je vais le garder. Hop, les pistolets laser, c'est fait. On va aller chercher les drones de combat. C'était bien d'abord ça que je voulais faire. Plein de petits robots. Katina qui me fait mon bot défensif. J'avais vu. Ah oui. Là, il fallait qu'ils me virent tout ce qui était les vêtements, sauf les vêtements inachevés. Hop. Les armes. Les outils. Voilà. Ça, tu vas me le mettre là. Où est-ce que je l'ai modifié? C'est là que je l'ai modifié. Donc je vais copier. Hop. Coller. 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 Et ici, je vais lui dire de stocker d'abord là. Il pleut bergère. Et voilà notre premier bot défensif. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne? Ordonner au robot ou au drone de retourner sur place et d'y rester. D'accord. Ok. D'accord, donc c'est juste mobilisé. Par contre, il faut que je lui donne des armes. En toute logique. Je vais équiper d'une épée laser. Et d'un pistolet laser. Parfait. Et je vais te relier au même circuit de contrôle que le reste de mes armes. Alors je me suis dit aussi pour mieux me défendre, j'aurais aussi peut-être intérêt à me faire une barricade haute, parce qu'en fait l'un des problèmes de mes défenses en ce moment, c'est que les adversaires peuvent tirer par-dessus. Donc je pourrais imaginer faire une fortification en bois. Ça va me coûter un bras, mais ça va
Ça me permettrait d'agrandir un peu le tout. Et... Je pourrais faire ça, j'ai juste manqué terriblement de bois, mais bon, c'est pas grave, hein, on fera avec. Il va falloir juste du coup couper plein de bois. Donc par exemple, là ils sont tous matures. Ça je vais l'utiliser. Arbre palmier. Tac. Arbre tropicaux, paf. Arbre mort, paf. Ok, tiens, j'ai pas observé les toutous. J'ai l'impression que je peux pas aller plus loin. Est-ce que ça passe là? Non, ça passe pas. J'espère qu'ils ne peuvent pas passer au travers. Mais alors du coup, ceci dit, il faut aussi que je fasse des portes. Défense, portail. Non, j'ai une porte toute simple qu'il faut que je fasse. Porte en métal. Ah, mur requis. Mur requis. Tac. Tac. Là. Et là. Et il faut aussi que je ferme par ici. Tac. Alerte Hope. Un vaisseau du consortium Charmachum localisé. Si je me désactive sur le champ, nous pourrons échapper à leur attaque, mais je devrais rester hors ligne pendant quelques jours. Que dois-je faire? Ha! Ouais, tu vas te désactiver tranquillement. Parce que quand même, leurs attaques sont assez... assez balèzes. Hop. Ah mince, j'aurais peut-être pas dû laisser... Ah oui, c'est bon. Il l'emmène, sauf que du coup, je vais manquer d'un lit. Je vais faire une copie. C'est quoi? C'est du bois et du rhizoderme. Bof. C'est parce que j'ai plus le rhizoderme. Donc j'ai plein de tissu. Hop. Et en bois et en fibre. Tu vas te mettre un lit. C'est pas tip-top. Mais tu vas le mettre là. Ah oui, sauf que non. Sauf que non, parce que j'ai plus de bois. Donc. Mobilier, lit en pierre, juste ce qu'il faut, et en fibre. Tac. Ouais. Ah non, il est fou par terre, c'est bien. C'est propre.
Ouais, très bien le bot à l'école pour ça. Les pipes, elles devraient pas être là, les pipes. Elles devraient être là. Hop, 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 hop. Là, je veux rien de ça. Je veux rien de ça. En fait, je veux rien du tout. Éventuellement des plats cuisinés. Mais je veux. Ouais, si ça, ça tu peux. Je veux pas de ça non plus. Ah, c'est vraiment juste pour stocker. Et tu vas me démolir ça aussi, du coup. Crista atteint 2 en construction. GG. Ah merde, ça a refermé. Alors. Annuler. Tac. Copier. Et toi, je vais te supprimer. Toi, je vais te déplacer ici. Et toi aussi. Tac. Ça, on a dit qu'on voulait le démolir également. J'ai toujours, c'est impossible d'atteindre le torche champignon, ça me saoule. Il faut que j'aille chercher d'autres bois, j'en aurai pas assez encore. Hop. Donne-moi des palmiers. Oh, tac. Émile d'atteindre 3 amphis. Et j'ai. Découverte. Braque de Weimar. Très bien. Si je veux des toutous. Émine a la fièvre des nuées, elle va se soigner. Est-ce que j'ai des expéditions intéressantes? Vaisseau extraterrestre antique, recherche. Ouais, ouais donc j'ai rien de bien folichon à faire. Si vous pouviez arrêter de me défoncer cette cible de tir à chaque fois que vous entraînez, ce serait cool. Ah oui, attends, le problème c'est que j'ai besoin de bois pour ça. Bon, ceci dit, j'ai libéré de la place en virant les. Virant tous ces. Tous les outils et tous les vêtements. Bon.
C'est quoi, c'est l'orage ou c'est... Ouais, c'est l'orage. Ouais, c'est balèze, quoi. C'est balèze, c'est bien fait. On entend le bruit de l'orage avant que l'orage ne commence à tomber. C'est plutôt sympa, je trouve. Voilà, là, on voit que le sol commence à souffrir un peu. C'est du sable, ouais, 45 cases de sable. Parce que c'est à cause des cristaux énergétiques. Ok, donc j'ai déjà un mur ici. Signal de sécurité. Ah, je sens que Katina va partir en expédition. Ça couvre, ouais, c'est bon, ça couvre cette zone. Pas de connexion, un consommateur électrique, c'est pas normal ça. Hop, copier. J'ai encore besoin de bois. Bon, ceci dit, joue son rôle de paratonnerre et c'est ce qu'on lui demande. Énergie. Oh, oui, ça j'imagine. Armure synthétique. Ah, yes. Toi, coupé. Coupe, 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 coupé. Alors, armure synthétique. Ça, c'est quand même une très bonne chose. Et on va en vouloir pour tout le monde. Jusqu'à en avoir un. Est-ce que j'ai suffisamment de matériaux synthétiques? Ça, il faut que je regarde. C'est où? C'est là. J'ai deux. Ouh là, j'ai 8 textiles synthétiques. Ça va pas le faire. T'es pas censé en faire là. Manifestement non. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Est-ce que j'en utilise là? Ça c'est une connerie. D'été, chaussures d'été. Donc, je suis pas censé être capable d'en faire, fabriquer. Non, cuir végétal. J'ai pas fait large. Pourquoi ce bordel? Ah, mais si je peux en faire pousser, c'est vrai. Mais j'en fais juste pousser. J'avais pas une recherche pour. Tiens, je peux faire les pistolets laser améliorés. Le cas échéant. Tiens, je voulais faire des masques respiratoires. Où est-ce que c'est le cuir synthétique? C'est là. Ah mais si je suis en pause, ça va pas avancer tout seul, il paraît. Pourquoi est-ce qu'il mange du... Je sais pas. Des boîtes de conserve. Ah non, là, du synthétique. Ouais, du coup, c'est la top chambre. Si ça, je le. Ok, couper les cultures pour vous perdre des récoltes.
Si je fais récolter et qu'ensuite je fais couper. Hop. Bande de bourrin. Emile est malade. Alors, signal de sécurité. Aux abords du site, un panorama impressionnant m'attendait, la silhouette métallique ovale d'une armurerie quasiment intacte, au beau milieu de débris fracassés et d'une forêt toujours en proie à un violent incendie. Des animaux paniqués, piégés entre deux feux, tentent de fuir. Beaucoup d'entre eux sont déjà morts. Si je n'interviens pas, l'intérieur de l'armurerie risque de monter en pression et d'exploser sous l'effet de la chaleur. Barbecue gras, puis dépecez-en un maximum. Eh ben, étouffer l'incendie pour nous permettre d'y retourner par la suite. Très bien. Bon, là, manifestement, ça va pas le faire. Il faut que mon étagère, je la fasse en ferraille. Tout ce qu'il me faut. Hop. Là, t'es vide. Donc, tu vas, hop, démolir ça. On va récupérer les matériaux qui vont bien avec. Allez, plus 3 pour une petite chambre, plus 18 pour une chambre spacieuse. C'est pas la même quand même, hein. Voilà, qu'elle nous fait une belle armure. Voilà, étagère, très bien. On va copier les paramètres. Restrictions. Hop. Aucune tâche active. Ah oui, c'est l'huile. Ok, donc là. Tac. Palmier saucisse. Zut. Hop. Est-ce que ça rapporte du bois de découper? Oui, ça me rapporte du bois. La même chose ici. Hop. Palmier saucisse récolté et couper tout le reste. Ah, ça y est, oups, c'est levé. Hop, nouveau vêtement plastron synthétique. Ça va être pour Mr. Ken assez rapidement. Du coup, ceci de Katina, elle peut retourner dans les débris de l'armurerie. Hop. Voilà, ça me donnait plein de bois. Histoire d'avancer dans mes constructions. Pour l'instant, il y a juste les trous béants des portails, mais. Oh là, il tire par la fenêtre, trop balèze. Ok, nickel. Bon, bah, ça se passe bien.
d'une façon ou d'une autre, il va falloir que j'arrive à me débarrasser. Tiens, pourquoi est-ce que j'ai des trucs pourris là-dedans? Ah, j'ai du fumier. Bah, il faudrait pas que je garde du fumier là-dedans. C'est où? C'est dans quoi? C'est dans matériaux de fabrication. Alors, recherche effectuer masque respiratoire. Donc ça, j'aimerais que tu m'en fasses 4 du coup. Hop. Les drones de combat. Alors. Tiens, je vais faire un drone de combat. Classe. Tac. Ici. Qu'est-ce qu'il y a du vieil équipement? Ah, c'est le Katina. Alors, débris d'armurerie. Est-ce que tu as trouvé un maximum de ferraille, un boîtier solide contenant un pistolet à plaise? Bon, là tu pourrais y retourner 3 fois. Enfin, 2 fois. Maintenant. J'ai un petit lag là. Pourquoi je m'emmerde? Panier saucisse récolté, puis coupé. Très bien. Même chose ici. Hop. Alors, nuisible affamé, 71. Je m'en fous. Bon, on arrive au bout. Il ne reste plus qu'à finir les constructions. Et Katina qui arrive devrait être capable de s'en charger. De toute façon, c'est ce qu'il faut. Normalement. Du coup, en mood, sommeil dérangé moins 3, mais chambre spacieuse plus 18. En fait, c'est. C'est vrai que si tu peux choper le malus une seule fois, autant faire une grande pièce. Ah non, tu peux le choper plusieurs fois. Isolement. Bah alors. Assommé, super. Bon, et ben voilà. Hop. Ok.
dégradation imminente. On va finir nos fortifications. Pensez à fermer les portails. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il les ferme de base? Non. Voilà. Tac. Fermé. Et on y est. On y est. Tac. Nickel. Bon, j'espère que ce sera efficace pour et un petit point en construction en plus. J'espère que ce sera efficace lors de la prochaine attaque. Mais ça, nous le saurons dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.